chaîne musicale aujourd'hui par rapport à l'histoire de la country music. Ok. Well, country music, I think, has evolved in many different ways since Jimmy Rogers, and it's always had its place, as well as examples from Hank Williams, the honky-tonk style music, and it just has become popular, but a really good country song is what makes the music what it is. It's the tune. It's something you can sing along to. The lyrics are about life, real life, and so I keep going back to that. And I guess that's it. La musique a évolué, mais le style de comme Jimmy Rogers ou Hank Williams a toujours sa place sur la scène musicale, je trouve. Le son musical est peut-être un peu différent, le son aujourd'hui. Mais une très bonne chanson country raconte la vie avec ses histoires et ses expériences aussi. C'est les mots, la parole, c'est important encore. Moi, je pense qu'il reste encore beaucoup de gens authentiques qui aiment la musique country authentique. Oui. Parce que moi, oui. Nelson, oui. Et beaucoup d'autres, c'est quand même nombreux, je pense. Oui, oui, oui. Oui. Yes. Et encore le honky tonk avec Hank Williams, la chanson de dans l'époque, le 40 et le 50. Yeah. Sont populaires encore. Still oui. Popular, oui. Right. Oui, c'est populaire. On aime encore. Il y a un public pour ça. Oui. C'est ça, oui. Que ferais-tu si tu pouvais changer quelque chose à propos de l'industrie de la musique? Okay. Well, the one thing I wish would change is the fact that the artists, the musicians, are not being paid the way they used to be paid. With the system now, you know, a lot of music is free. And the artists should be paid for their creative work, I believe. So that would be a change I would love to see. And they are working on it. There's many lobbyists in Washington right now, D.C., trying to change that, where the musicians are paid their fair share of royalties. Oui, les auteurs, compositeurs. Et les musiciens devraient être payés correctement pour le travail créatif, comme par le passé. Maintenant, c'est difficile parce que beaucoup de musique, c'est gratuite. Et les musiciens, c'est difficile maintenant de vivre avec un boulot musicien. Et ça doit changer. Il travaille sur ça maintenant. L'industrie travaille sur ça à Washington et on espère. Right, yeah. ça serait une bonne chose. Oui. En tant qu'artiste, tu entreprends de nombreuses tâches telles que l'enregistrement, la tournée, les interviews. Quelle est celle que tu préfères? Well, I enjoy all of it. Every aspect of the music business and actually performing live. I love working with my son, Jackson. He's an artist as well, and it's just fun going out with younger artists and playing music and seeing how they develop and how they grow as a musician. And je les aime tous. Je me doutais. Je prends beaucoup de plaisir à aider des jeunes talents comme mon fils. J'aime travailler avec des artistes confirmés pour promouvoir ma musique préférée. J'aime de faire la promotion de la musique que j'aime. C'est normal. Oui. On doit toujours promouvoir les plus jeunes. Exact. Et aider les... Yeah. Parce que quelquefois, les artistes confirmés n'aident pas parce que mais j'aime de
aide les jeunes aussi avec. Mais on connaît un peu Carlton maintenant et ça ne nous étonne pas du tout. Oh, yeah. Okay. Y a-t-il une scène ou un endroit où tu n'as pas joué et où tu aimerais aller? That's a good question. I've had a chance to play in at the White House several times. I played the Grand Ole Opry many occasions. For a country artist, the Grand Ole Opry is really it. So for me, I like any stage. I love playing anywhere, and there's not a one place special that I would love to play. I just like playing music and any stage, and introducing it to new audiences wherever it's at is a pleasure for me. J'ai chanté à la Maison Blanche. J'ai chanté sur la scène du Grand Ole Opry plusieurs fois et sur de nombreuses scènes au travers du monde. J'irai où que ce soit où je peux faire découvrir cette musique à un nouveau public. So, c'est partout, c'est n'importe où. C'est juste un nouveau public et promouvoir la musique comme ça. L'essentiel, c'est de promouvoir la musique, si c'est j'ai bien compris, et de la faire vivre. Oui, c'est ça. N'importe où. Non. Parce qu'il a joué en Afrique beaucoup de fois maintenant, et c'est la nouvelle musique pour eux aussi, dans les villes très petites, et c'était un vrai plaisir, vraiment un plaisir pour lui. Right. Yes, exactly.